Dans le passé, je vois que j'étais une autre personne. On n'avait pas en tout cas la liberté de prendre des décisions. La plupart des choses sont des regrets. Dans tout ce que je fais, je le fais en me mettant d'abord comme un exemplaire devant les gardes. Avant de prendre une décision, ça me demande de réfléchir parce que ça peut avoir de l'impact sur la vie de tous les gardes que je suis en train de gérer au niveau du parc. À la création de ce parc, c'était le parc au Congo qui avait plus d'éléphants. Il y avait des milliers de zèbres, des milliers d'antilopes chevales. La vie a totalement changé. Nous avons certaines personnes qui se sont organisées pour l'exploitation minière. Quand ils voient les gardes, ils sont les premiers à tirer sur les gardes. De vous partir avec un patrouille, et vous revenez à un nombre réduit. Oh. La vision est de pouvoir couvrir tous les parcs. On peut restaurer cette faune pour qu'il y ait une utilisation rationnelle. Les gestionnaires du parc ont besoin de savoir qu'est-ce que le parc a encore, qu'on peut mieux gérer que ce que l'on connaît. Attention. There may be some species that are not yet observed. Nous sommes aux environs de 40% de la couverture. C'est encore petit. Et nous sommes en train de nous battre pour voir comment reprendre le contrôle de l'ensemble du parc. Quand je me dis ça, je peux faire, il faut que je le fasse. Je ne vois pas un autre travail que je peux faire à part la conservation de la nature.